allons prendre devant Dieu. Nous remercions particulièrement nos parents pour nous avoir appris à marcher et pour nous avoir enseigné l'importance de la famille. Nous nous tournons vers nos ancêtres et la génération passée qui ont fait ce que nous sommes et qui par notre union sont réservés. Sois favorable à nos prières, Seigneur. Veille avec bonté sur le mariage que tu as établi pour la vie et la croissance du genre humain. Que ta grâce d'être conservée, ce qui vient de toi, son origine, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous allons maintenant entrer dans le registre de la parole. Nous allons accueillir la première lecture du livre de la Genèse. Lectura del libro del Génesis. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros, tomarás para ti siete parejas, el macho con su hembra. Y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo, de las aves del cielo, siete parejas, machos y hembras, para que sobreviva la casta sobre toda la faz de la tierra. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra, durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio. Las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y de todo lo que serpea por el suelo. Sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. Palabra de Dios. Thank you.
avec Antonia Spin, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'homme humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un vers l'autre. Qui se promettent avant du cœur et respect pour tout cœur. Ils accueillent les enfants que leur donnera. Et les élus selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Antoine et Astrid, est-ce qu'il y a ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Bien voilà, maintenant il est venu le temps de l'engagement. Vous allez vous engager l'un vers l'autre, vous allez tourner la main droite. Non, la main droite. La main droite. Lui qui a aimé les hommes jusqu'à mourir sur une croix.
Bénis, protège et fortifie l'amour de ses rosées. Que leur amour soutienne la fidélité, qu'il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du monde condamné à celui que l'on aime. Que leur amour s'en va dans le nom du Seigneur, devienne une source de qu'il y a la vie aux appels de leur prochain. Et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur l'amour et avec la force de l'Esprit Saint, qui prennent le parti à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, que ça communique contre les hommes, un monde plus juste et fraternel, et soit ainsi fidèle à leur vocation humaine. D'abord, l'occasion de sa vocation. Et après, prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. That love will never stop growing. We pray to the Lord.
Thank you.
gros plan. La même. J'ai fait un gros plan. Vieux garçon. N'importe quoi. Surprise. Surprise.